شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم. De nos jours, nous trouvons que le monde fin envahi par une vague de matérialisme. Des gens pégalopent derrière richesse, derrière la technologie, derrière bâtiment, au dépend ban valeur, au dépend ban principe et ban l'éthique, et également au dépend de la relation humaine lui-même. À nous profite Ramadan, nous rétablir ça l'équilibre qui nous bien bizarre entre le spirituel et le matériel. Par exemple, à travers un namaz de qualité 5 fois par jour, par exemple, à travers lecture Coran, à travers Doha, à travers Hifz, et ben plusieurs les autres dhikrullah encore, afin que nous rétablir ça l'équilibre qui est très important là. Et en parlant de la relation humaine, les bons connaît qui nous a une diversité des idées, de pensées parmi ban humains. Et également, dans l'Oumma, c'est le cas. Mais il est très important que cette diversité-là pas faire qui nous divise, pas faire qu'il y ait un conflit entre nous et qui termine dans l'ennemité. Parce qu'Allah Ta'ala fait nous connaître dans Surah 49, verset 10. Innama al-mu'minuna ikhwa. Alors, il est très important qu'il nous garde l'unité malgré nos diversités. Surtout, les bons connaissent qui 100% d'immun, jamais pour 100% d'accord, le 100% des sujets. Et surtout, qui nous parate une priorité. Et en parlant des priorités, nous constatons que l'Umma sur investissement et efforts dans la recherche de la connaissance, les zéro, sinon presque zéro. Est-ce qu'il nous connaît qui, dans un domaine comme la médecine, telle que la psychiatrie, c'était un musulman qui était un pionnier là-dedans, en la personne de Ibn Sina, et également dans le monde mathématique, dans l'algèbre, également dans le physique, etc., et divers autres domaines de la science. Donc, il est très important qui nous réoriente nous vers nos bonnes priorités. Il est très important alors qui nous garde nous unis afin que nous continuions de développer nous-mêmes personnellement, collectivement et le plan matériel et le plan spirituel. Nous faisons droit alors qu'Allah Ta'ala guide nous, Allah Ta'ala mette nous sur le droit chemin et surtout là pendant Ramadan, donc qui nous gagne le bon inspiration qui bizarre afin que nous concentrions nos bonnes vraies priorités. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.